Ça s'est bien passé, le cheval il a eu une bonne course, il était devant tranquillement, après il a laissé passer l'autre. Est-ce que vous avez été un peu inquiet de le voir un petit peu musardé comme ça à la corde? Non, pas trop inquiet parce que je sais, le cheval je le trouvais vraiment bien toute la semaine au travail. Maintenant, c'est un grand cheval qui avait besoin de place dans la ligne droite, il a remis un bon coup de rein pour venir s'imposer. Je suis content parce que c'est pour le propriétaire, on est copropriétaire pour Monsieur Jégot. Et surtout, c'est ma première victoire en tant qu'éleveur. Ah, félicitations. Première victoire en tant qu'éleveur, vous aviez choisi The Way You Are, Croix Madame. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez récupéré cette Croix Madame et comment ça se passe? Combien vous êtes poulinière? Présenter un petit peu aux équipes de Francière, aux spectateurs de Francière. Oui, donc j'ai réduit un peu l'élevage puisque c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Hein. J'ai pas fait trop de résultats. J'ai plus que 3 ou 4 poulinières, donc seulement 2 de pleine. Et Croix Madame, je l'avais acquis aux ventes à Arcana en novembre, il y a plusieurs années. On avait bien fonctionné avec, mais on n'avait jamais gagné. Et ça, c'est son deuxième produit. Félicitations. Stéphane Gouillette, entraîneur, également propriétaire et éleveur, qui s'impose ici.